Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on va aller voir la ruche verte. Vous vous souvenez, j'ai été rechercher un cadre de larves, vu que j'avais fait une fausse manœuvre il y a plusieurs jours. Enfin, fausse manœuvre. Hein, comme je vous rappelle, les abeilles avaient construit la musette royale sur deux cadres. Donc en visitant, clac, ça s'était séparé. Donc aujourd'hui, on va aller vérifier si la reine est quand même... C'est quand même une reine qui est née de ça ou pas. Ça serait super. Mais par mesure de précaution, j'avais été rechercher un cadre, je vous l'avais expliqué, avec des jeunes larves. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est la découverte, on va aller voir. Est-ce que la reine est née? Est-ce qu'elles sont en train d'en fabriquer une autre? Eh bien, c'est ce qu'on découvre maintenant. Allez, qui miel me suivent. Voilà, alors aussi ce que je voulais dire, c'est que la fois passée j'avais mis un parasol parce que je trouvais qu'il faisait vraiment chaud et j'avais l'impression que les ruches elles étaient pas bien exposées. Bon, c'est pas une très bonne idée d'avoir fait ça. Voilà, c'est des erreurs de débutants. Donc j'ai retiré effectivement le parasol juste après ma visite en fait. Je l'ai absolument pas laissé, je l'avais mis et puis je l'ai enlevé directement. Déjà parce que comme on a une nouvelle reine dans la ruche rouge, elle va aller faire des vols de reconnaissance. Et en faisant son vol de reconnaissance, il faut qu'elle retrouve la ruche. Alors là, si elle parasole et qu'elle prend note de ça, et que le parasol s'envole pour une raison ou pour une autre, ou que je l'enlève, alors du coup, ça tronque son vol de reconnaissance. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé. Voilà, donc. Allez, on va voir ici. Mets-toi peut-être de l'autre côté. Si tu veux bien. Une fois. Alors je voulais vous dire, derrière la caméra, il y a Raphaëlla, coucou, qui est ma caméraman attitrée, la pauvre, quand elle est là. Alors. Il y a de la vie, ça c'est toujours bon. Alors on pourrait déjà prendre. On va déjà regarder le cadre en fait ici de que j'avais rajouté juste de cire. S'il y a construction dessus, on pourrait se dire qu'il y a une reine dans la ruche. Parce que les abeilles commencent à construire quand il y a une reine. Donc ça va déjà nous donner un indice. Donc je vous donne un petit tuyau là. On va aller voir, déjà ça va nous donner l'idée. Il y a construction. Ouais, elles sont en train d'un petit peu construire, pas grand chose. Donc on a peut-être une reine dans la ruche. Elles sont calmes. Elles sont calmes. Peut-être qu'on a une reine, on va aller voir. Bon, c'était ici entre ces deux cadres-là. Ce cadre-ci, c'est celui que j'ai rajouté avec les larves. Alors, la deuxième prise de note qu'on pourrait faire, c'est aller voir ce cadre de larves ici. Si elles ont construit une amusette, c'est qu'il n'y a pas de reine à l'intérieur. Donc, on va faire ça comme ça. On va faire ça étape par étape. Comme ça, vous découvrez aussi... Alors, je vois pas d'amusette de ce côté-ci. Et je vois pas d'amusette de ce côté-ci. Donc, soit il y a une reine dedans, soit ça n'a pas marché avec le cadre de larves que j'ai ramené. Est-ce que je vois des larves? Ouais, il y a bien des larves. Donc... Il y a bien des larves. Elles doivent... Ah, si, il y a des amusettes là. Pardon. Ah, si. Ici. Attends, je vais les voir. Il y a deux débuts d'amusettes. Donc, il y a fort probablement pas de reine.
à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans les amusettes par contre? Attends, parce que je ne suis pas bien mis, je suis pas bien. Dans les amusettes, il y a une lave ou pas? Allez, Mimi. Ah, il y a trois amusettes même. Ok, il y a trois amusettes en fait. J'arrive pas à bien voir ce qu'il y a dedans, parce que le soleil n'est pas à notre avantage. Mais donc, il y a trois amusettes. Une, deux, trois. Donc, on a certainement pas de reine. Là, il y a une larve dedans, je la vois maintenant. Ok, donc... Donc, de toute évidence, il n'y a pas de reine. Ou alors, elle a un problème. Mais il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de reine. Je vais aller vérifier par acquis de conscience, mais voilà. Il se fait que j'ai dû, dans ma maladresse, et ça malheureusement ça arrive souvent, j'en ai rediscuté, l'apiculteur fait parfois des erreurs, et puis voilà. Le but c'est d'apprendre de ses erreurs. La musette elle était... ici, avant. En tout cas, elle n'y est plus. Là, on a un mâle qui est en train de naître. Attendez, on va aller regarder. Regardez la différence ici. Ici, juste là. C'est une cellule qui est un peu plus bombée. Si je me trompe pas, c'est une cellule de mâle. Et donc, ce qui est en train... de sortir, ça doit être un mâle, mais il bouge pas beaucoup. Bon, je suis pas sûr. Du coup, donc il y a encore des naissances. Ah, et ici elles ont commencé une autre ébauche de cellules royales. Juste là, à mon pouce. Donc il y a pas de reine dans l'histoire. Hein. Je ne sais pas si elle est remplie. Oui, il y a une larve dedans. Si je vois bien. Je suis désolé, je suis obligé de faire comme ça parce que... Ouais, il y a de la gelée royale aussi dedans. Donc au fond, là, il y a de la gelée royale. Donc il faut espérer que c'est pas la ruche qui est bourdonneuse. Hein. Que les abeilles se sont pas mises à pondre. Je vais vérifier. Donc je dois regarder si j'ai pas des jeunes pontes. Oh là là, le soleil, c'est pas évident. Non, je vois pas de ponte. Je vois pas de ponte. Donc ça c'est bon signe. Il n'y a pas de ponte. Il y a des rentrées de pollen. Elles sont en train d'élever leur couvain. Elles sont plutôt calmes. Hein, donc, c'est signe qu'elles sont en train d'élever. Hein. Ouais, elles sont en train d'élever. Donc on va faire très gaffe parce qu'on a nos cellules royales qui sont de ce côté-ci et de ce côté-ci. On vient juste visiter, ensuite je vais laisser tranquille une quinzaine de jours parce qu'on va plus faire la même erreur que la fois passée. Hein. Donc je ferai d'autres vidéos, des vidéos théoriques, je ne sais pas, mais... Donc là, on a. Ouais, on a des. Elles rentrent du nectar. On a des réserves ici au-dessus. On a plein de pollen. Et la musette que j'avais cassée, elle a complètement disparu.
on a encore quelques naissances hein, qui datent de quand on est allé chercher les cannes. Je vérifie toujours s'il n'y a pas de ponte. Non, tous les indices montrent qu'elles sont en train de faire une nouvelle reine. Donc je pense que il n'y a pas de reine dans l'histoire. Allez, bon ben croisons les doigts que pour que là-dedans, il y en ait une qui se fasse. Voilà, maintenant on n'y touche plus. Allez les filles, hop, attention, personne ne se fait coincer. Allez, tire-toi, toi.